Nooman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi. Ta-da-ta. Salut les villes, c'est Nooman, on se retrouve pour la suite de la tentative draft. Nous en sommes à 2 victoires, 4 buts marqués si je dis pas de conneries, 0 encaissé avec cette belle équipe. Ah, franchement, elle a de la gueule, on n'a pas de collectif, mais on a des joueurs qui envoient un peu du gros pâté. Bah écoutez, on continue tout ça. Ouh, on a fait une grosse équipe également, hein. On voit qu'on a d'excellents joueurs avec un dispositif à 4 défenseurs, hein. C'est un peu moins facile qu'avec 3, 87 de collectif, 89 de notre général, on est un petit peu dans le même genre d'équipe, donc on va voir un peu, c'est 50-50 que le meilleur gagne. Oh, attention à Gérard, attention à Gérard, bien joué. Attention à De Bruyne, ah là là, ça va être le but ça. Pop, 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 dévié, mais on a de la chance, il passe juste à côté. Ah, ça va mal finir cette affaire. Attention à Messi. Ah ouais, bah là c'est mort. Là c'est mort. Ah là, on le sentait direct. Hein. Dès que tu peux pas attaquer le joueur, bizarrement, après ça se termine au fond du but. Mmh, ça fait chier quand même. Mais il domine largement, donc il n'y a rien à dire. Voilà, tu vois ton défenseur qui s'écarte, t'as compris le système. 1-0. Oh là, le vol directement. Tu peux même pas choper le ballon 10 secondes sans se faire prendre le ballon. Attention à Suarez. Pa. Allez, on se réveille. On se fait douiller. On a inexistant, c'est chaud. Ah, il m'a bien eu, c'est bien joué ça. Attention à la grosse frappe de De Bruyne, oh le potal, bien joué ça. Allez, au centre, au deuxième, on sait jamais, Cavani. Oh, le nouvel entrant Cavani, dommage. Allez, encore une fois le centre, on va jouer de la tête. Allez, la volée. Viviano, bien joué à lui. Ouais, oh, De Bruyne le bloque, quoi. On peut pas l'arrêter. Oh là là, allez, c'est terminé. Bon, on vient de passer en ultra-offensif, hein, on vient de se faire punir. Kevin De Bruyne qui nous envoie un missile en pleine lucarne, hein. De toute façon, il n'y a rien à dire, hein. L'adversaire est beaucoup plus fort que nous sur ce match-là. On a eu quelques occasions, mais rien comparé à lui. 2-0. Allez, Cavani. Allez, pourquoi pas. Réduction du score de Cavani. Yes. Allez, on y croit, Cavani qui remplace Zlatan. Pour une fois qu'il marque, c'est vraiment un jeu vidéo, parce qu'il marque pas ça en vrai. Réalisme de Cavani, on revient à 2-1, et on va rester en attaque de folie, on sait jamais. Oh, il me semblait qu'elle était sortie quand même, celle-ci. Attention à Kevin De Bruyne, ouais, il trouve bien Neymar juste à côté. Bah ouais, ça se termine là-dessus, bon, bah, aucun regret, hein. Franchement, l'adversaire m'a vraiment humilié. Félicitations à lui, hein. Je sais pas s'il a le logo lyonnais, donc si c'est un petit français. Bonne chance à toi pour la finale, son gardien a été très peu sollicité, vraiment le match sans. Au final, on est quand même revenu un peu au niveau des tirs cadrés, mais franchement, aucun problème, l'adversaire méritait largement sa victoire. Normalement, on a des petits packs, on va aller voir ça. Hop là, qu'est-ce qu'on récupère? Un pack Jumbo Or et un pack Premium. Bon, écoutez, on va les ouvrir tout de suite. On va voir un peu ce qu'on peut récupérer. Nous allons switcher. De toute façon, ça sert plus à rien. Même si t'as pelé maintenant, on s'en branle. Oh, un petit boost, tu me diras. Voilà, ça fera 10 000 crédits. On va tout mettre ça. Pff, bon, de toute façon, est-ce que ça se vend bien ça, j'en sais rien. On va tout mettre ça dans le club. On va ouvrir le deuxième pack. Le ballon, on s'en tamponne les amygdales. Vente rapide. Ok. Donc, le deuxième. Il aura fallu quand même que j'attende la fin de FIFA pour choper un boost. Le deuxième pack, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, là, je suis pelé, je serais quand même un peu dégoûté. Mais bon, ça vaut plus rien. Non, pas du tout. Carvajal, bon bah écoutez, c'était la dernière tentative draft sur ce fut 16, on retentera peut-être notre chance, parce que c'est vrai qu'au final, si le mode Champions est gratos comme c'est prévu, qu'il le soit sur FIFA 17, je vois pas pourquoi on irait claquer 15 000 crédits pour un mode draft, ça n'aura plus aucun intérêt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour de petites nouvelles et des petites astuces pour bien commencer FIFA 17, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, salut tout le monde. Et j'ai encore tapé dans le micro.